Bonjour. Aujourd'hui, un concept jamais vu nulle part auparavant. Ouais, nous avons réuni 4 couples. Ils ont eu le droit de mentir sur leurs âges, leur adresse et même leur nom. Notre but est à présent de deviner qui est en couple avec qui. Pour cela, nous serons accompagnés par nos deux acolytes, Bradley et Jason. Et si vous aussi voulez être en couple ou autre, il y a l'application Fruits que vous pouvez télécharger. Au moins sur cette application, chacun sait pourquoi tout le monde est là. Tu veux être en couple, tu veux un petit plan, tu mets le fruit que tu veux et puis c'est clair, c'est net, c'est précis. Il faut savoir que si sur Fruits, il n'y a pas que les hommes, il n'y a pas que les femmes qui peuvent faire le premier pas, c'est tout le monde qui peut le faire. Il y a une petite question pour briser la glace, comme ça il n'y a pas de gênance. Le fonctionnement est très simple. Si tu cherches ta moitié, c'est la cerise. Ça, c'est pour trouver l'amour, comme est Dominicain. Hein. Voilà, parfait. Si tu veux boire un verre sans se prendre la tête, c'est le raisin. Si tu veux faire des petits câlins sans pépins, c'est la pastèque. Et là, ce sera très caliente. Donc... Et si tu veux pêcher, aller un peu plus loin, c'est la pêche. Exactement, comme son nom l'indique. Donc, le lien est dans la barre d'infos. Vous avez juste à télécharger. Et comme ça, vous serez comme les couples qui sont dans cette vidéo, heureux pour toujours ou pour une nuit. C'est pareil, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait? On accueille les couples maintenant? Accueillons les couples. Ouais. C'est parti. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui est en couple. J'ai l'impression que personne ne connaît personne. Il faut noter les noms déjà. Vin Diesel, tu t'appelles comment? Nash. Nash? C'est un blaze de barbeur. C'est bon ça quand même. Coco Jojo. Johan. Coco Jojo. C'est trop vert. Marjorie. Rondreau. Ok, donc Jenaïco. Fabrice. Patrice, c'est Fabrice. Très léger, Fabrice, hein. Très beau, sûr de lui. Moi, j'ai pas de surnom. Kylie, Kylie, c'est Kylie, c'est Kylie. Kylie. Là, c'est Naloen, en vrai. Laura. John Doe. Ouais. Ah, c'est bien, John Doe. Et numéro 8. J-Cool. Ah, putain, de ouf. Ok. Kylian. Kylian. Franchement, première intuition, vraiment. Vous deux, à droite, ils vont trop bien ensemble. Moi, je dis J-Eco et J-Eco. Mais tu dois le mettre avec quelqu'un qui a une bonne repée, qui a une bonne paire qui s'y connaît. Donc, pour moi, c'est forcément une des deux. Ah ouais J-Eco, wesh. J-Eco, t'inquiète. Elle est dans les paires, c'est sûr. Ça J-Eco, elle est dans les paires. Pourquoi Kylian, elle est contente comme ça? Non, mais je suis pas contente. Hein. Patrice aussi. Patrice, c'est une des deux, je suis sûr. Ouais, pour les paires. Moi, j'ai Patrice. Moi, Patrice, je vois bien avec John Doe. Hein. Bon. Déjà, vous habitez où chacun? Je viens de Nice, mais j'habite à Paris. Où ça, à Nice? J'allais dire mon adresse, pardon. Ta meuf, elle va être fâchée après, n'est-ce pas, Kylie? Ouais. Ah attention. Moi à Bordeaux, mais de base, je suis de Nice. Ils sont allés à l'école ensemble, les deux, amour de jeunesse. Moi, j'habite dans le 95. Fabrice. J'habite en Martinique. Jure? T'es venu en avion, là? Non, parce que là, c'est les vacances. Du coup, je suis en vacances à Paris. C'est-à-dire sa copine aussi, elle habite en Martinique. Et il lui faut des tresses pour ne pas avoir chaud. Regardez ses mains surtout, souris, il faut regarder ça, les mains. Non, mais attends, moi, il y a quelqu'un qui me stresse. Citron vert. Moi, citron vert, je vais pas aller en couple avec qui, hein? Si, bah si, bah, si tu sais quoi? Vin Diesel? Non. 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 Moi, je vais bien avec Coco Jojo. Ils sont bien ensemble à côté comme ça. Marjorie, t'as un teint un peu bronzé. Make-up. Ah oui, c'est vrai. Non. Ok, donc make-up. T'habites où? 77. Ok, Johan. Where do you live? De base, je suis du 9-1 et maintenant je vis dans l'Ain. Et là, en ce moment, t'es dans le 0-1 là. Ouais, mec, c'est mieux. Bah, pourquoi elle dit oui? Elle habite avec lui? Elle confirme. Ah oui? Marjorie, Marjorie. 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 Marjorie, Coco Jojo, gros cœur. Vin, Nash. Nash, t'habites où? Dans le 94. Il s'est sorti tout seul, lui, c'est vrai. Ouais. Où est-ce que tu as rencontré ta copine? J'ai rencontré ma copine sur Nice. Il y a combien de temps à peu près? Il y a à peu près 2 ans. Donc ça fait 2 ans que t'es en couple avec elle là? Je suis pas en couple, je suis marié. Ah, oh, tu es marié? Ah, il est là. Je peux voir. Félicitations! Félicitations. Merci beaucoup. Attends, il est marié, je suis sûr que tu l'as mis avant de tournage, pas possible. Bah pourquoi il a peut-être été marié? Tu es marié quand exactement? Je suis marié le 7 août. Il a réfléchi. Mais les mecs, ils se rappellent jamais de leur date, c'est pour ça qu'elle a réfléchi. Il y a la date si vous voulez, à l'intérieur, j'ai gravé. Vous avez des enfants? Non. T'as bégayé. Attention, donc je mets enfant. Mademoiselle, vous êtes en couple depuis combien de temps? 3 ans. Et vous vous êtes rencontrés où? Sur Instagram. Il a combien d'abonnés sur Instagram? 395. Elle connaît les chiffres précis. Pas un de plus, pas un de moins. Mais je suis mariée aussi. Mais attends, mais il y a trop de rapprochements. Attends, Nice, bah oui. Marié. Ils veulent nous tromper, ouais, vous êtes sérieux ou quoi? Jenaïco, elle peut passer sa bague à Laura. La taille des doigts, c'est pas Bradley, oublie pas. Moi, je te dis, dès qu'on a parlé de mariage et de monter main, elle a caché ses mains. Elle qui? Je t'ai vu, direct. Mais non, mais dans tous les cas... Tu veux me rapprocher? Merci. Regarde, c'est à peine une trace de bronzage. Ouais, une trace de bronzage. Elle a élevé une bague. La tête de vrai. Jure de Dieu. Attends, viens voir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il y avait une bague. J'ai cool. Bien joué. Marié. De l'écho. Marié. Non, il a pas de bague. Mais non. Il a pas de trace et tout. Mais c'est un playboy. Est-ce qu'il y a une chaîne? Non, il y a pas. Des bijoutiers, en fait. Non, mais tu connais ce truc qu'il a mis sa bague dans la chaîne? Ah, oh, mais t'es trop fort. Mademoiselle, vous êtes en couple depuis combien de temps? Moi, ça fait 2 ans et demi. Donc ça va bientôt faire 3 ans.
Et du coup, je suis mariée depuis un an. Tout le monde est marié là. Tu l'as rencontré où exactement? C'est l'anniversaire d'une amie à moi. Et toi, dans quelles circonstances? C'était en soirée. Aussi? Aussi. Tu vois pas qu'il ment? Voilà, il est dans sa tête. Il est trop fort. Au 3D à Nice, c'est une boîte de nuit. Jenaïko. Bonjour. Donc vous êtes marié depuis combien de temps? Ça fait 2 ans. Que t'es marié? Oui. Déjà, t'es marié? Je suis mariée. T'as des enfants? Non, j'ai pas non. On est d'accord que tu enlevais ta bague avant le tournage? D'accord. Oui. Tu peux. Oui. Ah, tu dis la vérité. Non, mais c'est pas vrai. Depuis tout à l'heure, je suis venu. Marjorie, t'es eu en couple depuis combien de temps? Depuis 10 ans. 10 ans. Attends, mais t'as quel âge? 34 ans. Je suis pas mariée. Ils ont tout le monde. Mais tu es en couple avec tout le monde. Lui, il est venu pour ça. Tu l'as rencontré où exactement? Par le biais d'amis sur Paris. T'as quel âge, Coco Jojo? 28. T'as rencontré ta copine où? Paris. T'es marié? Ouais. Pourquoi t'as montré tes deux mains? Il a fait bague, voilà. Je peux pas. Jason, faites-les. Qu'il est vraiment marié. Hey Marjorie, comment elle a guetté Jason en mode t'es sérieux ou quoi là? J'ai juré, elle a regardé ça bizarrement. Ça passait pas. Pourquoi lui il arrive à retirer facilement sa bague? Mais ça veut rien dire, elle a les doigts fins, c'est tout. Viens là. Laisse ta bague, ça plaît. J'arrive pas. Bah oui. C'est ça, ouais. Je viens de te voir dans l'enlever il y a 2 secondes. Ça fait combien de temps t'as dit déjà t'es marié? Un an. En un an, il y a une trace, on est d'accord? Attends, moi je barre, il est pas marié lui. Ouais, Chico, t'es pas marié. Tu peux le faire sans. T'as me trop marié. Il a peine d'être marié. Comment ça? Je sais pas. Je suis pas sérieux, je suis pas un gars sérieux, genre. Non. Je dis pas que t'es pas sérieux, mais t'as l'air de profiter. Profiter, c'est-à-dire ouais. Tu profites bien de la vie, toi, non, en vrai. Non. T'es un bon vivant, non? Non, je suis pas un bon vivant. Avec Vin Diesel, on lui a pas demandé, il est en couple depuis combien de temps? 3 ans. T'es marié? Oui. T'as déjà trompé ta meuf? Non. Pourquoi ça n'a pas été posé aux autres, moi, direct? En couple depuis 5 ans. T'as des enfants? Non. T'en veux? Oui. Qui a des enfants ici? Combien? Un. Attends, y a qu'une personne qui a un enfant. Je te jure que Fabrice, il a failli lever la main. J'ai senti, tu vois, quand tu... Qu'il a un enfant? Fabrice, ouais. Il est père aussi, donc. Donc Fabrice, en couple depuis combien de temps? 8 ans. 8 ans? T'en as marre ou pas? Non. La routine ou pas? Ah, j'ai pas marre. Pourquoi la demande en mariage n'a pas été faite encore? En fait, c'est compliqué. C'est compliqué. En fait, j'ai perdu ma bague. T'as perdu la bague pour demander en mariage? Et du coup, t'as pas fait la demande en mariage? Non, je suis marié. Ah, t'es marié? Mais elle est où ta bague? Mais je l'ai perdue. Hugo, t'es en Martinique. T'aurais été marié depuis 3 ans, il y aurait une marque. Et je l'ai perdue il y a combien de temps? Il y a combien de temps? À ton avis. 3 ans? Les jours du mariage? Non. En ce moment, la femme avec qui t'es là, la femme qui tu dors tous les soirs, elle accepte le fait que t'aies perdu ta bague, t'en as pas acheté une autre? Il y a rien, wesh. Ça lui sert quand il sort tout seul. Il a fait semblant qu'il a perdu, mais il a pas perdu. Il a jeté au nom. Levez la main tous ceux qui sont mariés. Wesh. Donc c'est trop rare, là, avec quelqu'un qui est pas marié et elle, elle est... En plus, elle a un enfant. Elle est, la personne avec qui elle est mariée et elle est pas mariée. Donc toi, t'es une maîtresse alors? Non, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ment, visiblement. C'est vrai? Pas moi. Tu m'as fermé ma gueule? Fabrice, tu veux voir ta main gauche? Mais c'est une bague, c'est une alliance. C'est une bague? Ouais. C'est juste une bague comme ça. Exactement. Elle est fine, je pense pas que c'est une bague de mariage. C'est pas de la qualité. Non, mais c'est un radin. Gros. Tu confirmes. Et si elle a un mec, c'est vraiment marié? Ça fait mal, ça? Bah, il a qu'à avoir mal. Pourquoi t'as mal? Non. T'es radin, je suis pas radin du tout. T'avais pas les fonds pour acheter la bague? Si vous dites que les deux ils sont mariés, ça veut dire que elle, sincèrement, elle serait. Ça veut dire qu'elle est en Martinique, ça va faire combien de temps? Ça peut être un amour à distance aussi. Ça se voit, elle défend sa cause là. Elle défend sa cause là. Non, t'as un enfant. Eh, on est en 2022. Hein. Mais c'est peut-être pas l'enfant du gars. J'ai juré, elle défend sa cause là. C'est pas l'enfant du gars, ça se trouve, c'est son enfant à elle, mais pas l'enfant du gars. On assemble un couple déjà ou pas? Délibération. Vas-y, vas-y. Assemblement. Donc nous allons appeler Kylian et. Rondro! Elle a fait un regard de ouf quand ouais. Tu l'as appelé. Ouais, elle a regardé, oh, moi j'ai l'impression que ça fait griller. Kylian, est-ce que tu peux l'appeler bébé? Bébé, ça va? Ça va. Ouais! Ils sont pas en couple, c'est pas possible! Non, attends, elle est trop gênée! Ouais. Regardez-vous dans les yeux. Elle est trop gênée, ils sont pas en couple. Ils sont pas en couple. Ils veulent niquer. Ils sont pas en couple. Non, c'est pas possible. Est-ce que vous pouvez vous tenir la main? S'il vous plaît, si ça vous dérange pas. Ils sont pas en couple, elle est trop. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. C'est bon, c'est bon. Arrêtez, stop, elle est pas bien. Guette-le, guette-le, guette-le. Elle veut pas. Guette-le. Patrice, Fabrice. Elle sont vraies, c'est son mec. C'est son mec. Attends, doucement. T'as fait comme elle est à l'aise. Regardez-vous. Ah, y'a l'amour. Tenez-vous la main là. Ils sont tous. T'as vu comment c'était fou le croisement? Dis-lui, je t'aime. Je t'aime. Je sais pas. Facebook, je t'aime. Il essaie de le mettre en mode pas naturel, tu vois. Je t'aime.
Elle aurait jamais touché tes matières. Attendez. J'ai voulu main, vous pouvez vous lâcher, hein, c'est bon. Ouais. Mais c'était naturel. C'est naturel. T'es marié avec un mec, il a perdu sa bague, tu réagis comment? Après, c'est une longue histoire. J'ai le seum, enfin, j'aimerais bien qu'il en rachète une. On est d'accord. Et depuis, il a pas racheté, pourquoi? Quand on est fiancé, un cadeau. Les deux, ils ont. Quand t'es fiancé, il y a une bague, non, mais non. C'est la femme qui a. Il y a que la femme. Voilà, frère. Il a demandé à En fait, ça fait, il t'a fait une demande en mariage, mais depuis, vous n'êtes pas encore mariés. Mais t'es histoire de perdre des bagues longtemps. Arrête un peu. Allez, dehors. T'aurais engueulé depuis longtemps, t'aurais dit arrête, là t'abuses. Hey, ça se voit, c'est une fausse. Moi, je perds ma bague de mariage, je cours en racheter une autre. Pour moi, je bloque un couple. Moi, c'est bon. Je bloque Fabrice et Rondreau. Tu peux revenir? Il y a eu un événement. Non, mais ça se trouve, je vais briser un couple. Dis rien. Dis-le. Elle a froncé les sourcils. Hugo, regarde juste son visage, elle est en stress. S'ils sont vraiment en couple, je dis rien. Ok, donc êtes-vous vraiment en couple? Ouais, mais comment c'était fluide? Mais change de meuf, là. Attends, mais comment vous êtes resté longtemps comme ça et tout, là? Je suis choquée, la vie de ma mère. Prends-toi la dame. Tu m'as menti, je te faisais confiance. Venons, on les laisse. On fait Kali, Kylian. Kali, tu peux avancer, s'il te plaît. Voir ton gars. Donc vous, je t'aime, s'il vous plaît. Je t'aime. Wesh. Non. Mais de la conviction. Oui, voilà. Prends ses deux mains, comme ça. Elle aura trop dans les yeux, tes mains. Je vous jure, je sens rien du tout. Voilà, c'est son goût. La flamme, elle est éteinte. La flamme, elle est éteinte. Rodi, je t'aime. Je t'aime. Non, Kylian. Vas-y, comment? Attendez. Bon, regarde Kylian, dis-lui je t'aime et après toi derrière tu rétorques. Je t'aime. Je t'aime aussi. Oh, elle est amoureuse, bibiche. Non, regarde Coco Jojo. Oui, j'ai l'impression qu'Yohan il est un peu énervé. Yohan. Non, y'a cul. Non, Maji. Je crois que j'ai quelque chose. T'as l'air t'avais quelque chose aussi. Non, mais là j'ai quelque chose. Regarde. Citron vert, Vin Diesel, s'il vous plaît. J'ai l'impression que vous êtes tous les deux très matures, dans la même tranche d'âge. Très posé, très... Il y a une alchimie. Ouais, voilà. C'est-à-dire, si c'est pas lui, ton gars, oublie ton gars. Prends tes navires, Fabrice. Non, Fabrice. Peut-être que je préfère les petits jeunes. Oh, aussi. Un peu cougar, un peu... Hein. C'est quoi la pire embrouille que t'as eu avec ton mec? Et il est en mode, dis pas, stop. Je veux dire, Valène, grosse embrouille. T'es pas obligé de me dire les détails, mais c'était quoi? Ah, le stress pour là, je pensais que j'allais pas arriver à l'heure. Et vous êtes embrouillé parce que t'es en retard? Ou lui, il est en retard? Lui, il est en retard. Il met du temps à se préparer? Ouais, mais je m'en foutiste. Tu peux ne regarder moi et que moi? Est-ce que ton mec, il porte des boucles d'oreilles? Habituellement, oui. Là, je sais pas. Ton style d'homme? Acteur direct, français. Will Smith? Coco? C'est lui Will Smith, wesh. Donc t'aimes bien un peu typé, un peu Martinique. Chanteur de zouk. Moi aussi je suis martiniquais. Ah toi aussi. Tu veux sortir avec elle? Non, arrête d'intervenir. Attends, on a compris, tu veux trop nous brouiller les cerveaux. Et toi, t'as quel âge déjà? 27. Et toi? 34. Je te jure, ça peut le faire. Et toi, t'as pas d'enfant? Non. T'es marié? Non. Toi, t'es marié? Non. C'est son enfant et c'est pas son enfant, ils sont ensemble, c'est le beau-père. Non, regarde comment il a foncé sur ça. C'est pas taille, c'était énorme. T'acceptes pas d'être beau-père? Bah, ça me gênerait pas, mais là pour moi je suis jeune, je suis pas dans le délire encore. Mais c'est pas lui alors. Non, Coco Jojo, t'es dans le délire toi ou pas? Attends, tu peux retourner à ta place s'il te plaît? Coco, il est trop marrant. T'as un enfant? Ouais. Il a quel âge là? Il a 4 ans. Il s'appelle comment? Kylian. Et en fait, t'es partout toi? Il est partout. Avec la personne qui t'est en ce moment, c'est le père? Ah bah, pas non. Non, c'est non. Pas le père. Donc il y a un beau-père parmi nous. Moi je vous dis c'est Vin Diesel. Mais non. Il a répondu trop juste à côté quand il a dit ouais, t'es beau-père. Il a trop faussé les sourcils en mode. Oh non, écoute, juste un truc. Coco Jojo, t'as l'air de nonchalant, mon bouc. T'as d'être en retard. Ah, t'as quel âge déjà? 28. On arrête tout. T'es né en quelle année? Tac au tac. 92. C'est faux. C'est pourquoi c'est pas possible. Parce que si t'es né en 1992, ça veut dire qu'actuellement t'aurais 30 ans. Pour de vrai? Oui. Putain, je t'ai tué, je t'ai éteint. C'est bon. T'es dans quelle année, Marjorie? Vite. En 89. Elle a hésité, wesh. Ils nous mentent tous. Ok, ils sont ensemble, c'est bon, on les a cramés. Elle a dit quoi tout à l'heure? Elle a dit, je sais pas s'ils portent des boucles d'oreilles en ce moment ou pas. On regarde s'il a des trous, on va voir s'il a des trous. Non, il bordel, regarde, il a pas de trous. Moi, je dis qu'elle a voulu nous piéger. C'est-à-dire, son mec, il a pas de boucles d'oreilles. Ouais. Hugo, je pense que c'est toi. En plus, sincèrement, t'es le seul nonchalant ici. T'es vraiment nonchalant. Et ça sent qu'elle, elle hérite. Non, moi, je suis un Gasten. Et t'habites où toi déjà? Dans le 77. Et toi? Moi, je suis dans là. Tout à l'heure, elle a dit quoi? Elle a dit que les relations à distance, ça la dérangeait pas. Ouais, c'est vrai, ça. Mais t'es trop fort. Moi, je vais juste te poser une question à toi. Parce que lui, on l'a pas demandé. T'as rencontré ta meuf comment? Ah, soirée, hein, tu connais. C'est vrai, tu connais? Il a regardé. Il y a un truc de Light to Me. Quand tu regardes vers la droite, je crois que tu mens. C'est vers la gauche, wesh. Qui t'a dit ça, toi? Mais dans Light to Me. T'as regardé Light to Me? Bah oui, wesh. Est-ce que vous pouvez vous tenir la main? Mais Coco, il est pas dans ça.
Regarde, tu vois l'homme, l'homme, il a mis sa main devant, il protège sa femme, elle a mis sa main derrière. Ils sont en couple ensemble. Vas-y, vous pouvez retourner à votre place. C'est trop dur, mon Dieu. Ok, donc moi, Fabrice et de John Doe. Ah, c'est vrai que vous allez bien ensemble. Parce qu'on est des arabes. Moi, je vais bien avec tout le monde. Ah, t'es arabe, Fabrice? Je suis marocain martiniquais. Comment elle sait? Ouais, comment tu sais? Les gars, il faut pas être bête, ils ont parlé avant. Tu fais quoi dans la vie comme métier? Moi, je suis acteur. Hein? Acteur, mais je suis au chômage. Comment ça, acteur? T'as fait quoi comme film? Ouais, j'ai fait plein de films, je peux les dire, tout ça. Oui, vas-y. Oui. Iron Man. Ouais. Donc, chômage. Je suis en train de me dire si ED sont ensemble. Dina Eko, elle est avec qui? Elle est avec Kylian. Mais Kylian, elle est avec qui? Avec personne des deux autres. Ah, si t'es avec Vin Diesel, voilà, arrêtez ça tout de suite. Attends, on assomme tout le monde, mais on bloque pas. On assomme ce qu'on pense. Dina Eko, Jeko. Mais elle peut pas être avec lui, c'est pas possible. Je te jure, ils sont ensemble, Citron Vert et Vin Diesel. Elle a vu, on a trouvé tout le monde, ça y est. Ils ont récusé en mode. C'est moi, ils ont fait les cons. Et lui, il m'énerve parce que sa tête, elle veut rien dire. Elle veut dire quoi, ça? Je suis moche. Ah, mais c'est peut-être lui, je m'en foutiste un peu. Imagine, c'est lui qui est en couple avec Citron Vert. Oui, avec Marjorie. Il se trompe depuis le début. Mais Vin Diesel, toi, tu vas avec qui? Tu vas avec personne? Ouais. Oh, c'est pas gentil, ça. C'est pas méchant, mais je trouve, il va dans la liste là, dans tout ça, il va avec personne. Marjorie, tu pourrais sortir avec un mec petit? Désolé, vite des ailes. Non? Et toi, tu pourrais sortir avec un mec petit? Ça me dérange pas. Eh, fous-toi là-bas. T'as un enfant ou pas? Vas-y, pose une question de père. Quand t'as un nouveau-né, tu mets quelle taille de couche? 0 mois. Moi, il est pas père, c'est 0 mois. Bah, si, c'est 0, taille 1. Ça existe pas 0 mois en taille de couche, c'est taille 1, taille 2, taille 3. Il n'y a pas de truc de mois dans les couches. Il y a un truc de mois dans les couches. Non, taille 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, ma pote, j'ai deux gosses. Vous le mettez avec qui, lui? Je le mets avec Kylian, j'en ai marre. Avec Kylian? Pourquoi vous avancez? Ah, si c'est ton gars, c'est une dinguerie. Toi, t'es en Nike, lui, il est en ZX Flux. Ah, faites comme ça, tenez-vous la main, tout ça. Je tiens les mains de tout le monde. Mais non, ils sont pas ensemble. Viens, s'il te plaît, ma petite. Vous allez bien ensemble? Elle a dit, elle s'en foutait des petits. Jeko, les Djaneko, moi je vous dis, j'ai un peu trop, ils ont bloqué des coups. Ils ont même drip, la même vibes. Tu te trouves ton Insta, je les vois déjà. Donc Fabrice, il est en couple avec Citron Vert? Mais oui, c'est ce que je dis depuis le début, moi. Parce qu'elle est un peu typée, enfin un peu bronzée, un peu tac-tac, caliente. Et tu m'as dit, tu venais de Martinique. Guacamole. Pourquoi tu dis ça? Ça n'a rien à voir. Pourquoi tu dis guacamole? C'est mon village. Ah, t'as vu? Il y a un village qui s'appelle Guacamole. En Martinique, t'es un menteur. C'est un Mexicain en fait, il a menti depuis le début. On avance dans le jeu, plus on tue pas. Vas-y, c'est faux. Ça se trouve, ils sont même pas en couple tous là. Mais si, mais arrête avec ta théorie du complot, toi. On va dire ça en couple. Voilà, lui, il est trop ça. C'est qui le chanteur préféré de ta copine? Elle écoute quoi comme type de musique? Toi, ton mec, il écoute quoi? Je dirais plus du rap, plus rap français. Et old school d'américain. Coco Jojo. C'est des flics, on vous l'a dit. Lui, il m'a l'air rap français, lui. Lui, il a l'air rap américain. Lui, il a l'air zouk. J'ai con. Non, lui, il est pas zouk. Il a dit guacamole tout à l'heure qu'on parlait de la Martinique. Moi, j'ai l'impression que Kylian, il est avec John Doe. Hein. Ok, tenez-vous la main. Qui? Vous deux. Elle a tendu sa main. T'es fou, elle était en mode, viens là, bébé. Faites un câlin, s'il vous plaît. Wesh, les autres couples, qu'on leur a dit ça, ils ont dit non. Bon, allez, sans couple. T'es pas, jalouse. Écoutez, attends, j'ai deux secondes. Et là, par exemple, là, si ton homme, il fait le même câlin que t'as fait avec une autre femme, ça te dérange ou pas? Je me serais dit, c'est pas très amical, mais... Mais attends, toi, tu peux te permettre de faire un câlin comme ça à Kylian, mais si t'as fait ça avec une autre femme, ça te déplaît? Je suis une meuf, c'est un stratagème de meuf de faire ça. Kylie, tu peux venir? Est-ce que tu peux tenir la main de Kiki? Des Kiki? Attends, ils sont tous en train de... Regarde comment regarde la main, get ça, get ça! Je voulais vous faire un câlin, s'il vous plaît? On a le droit de faire. On a déjà demandé. Bon, allez, c'est bon, ils veulent pas. Il a pas demandé s'il avait le droit de faire un câlin à Laura. Ah. Attends, pourquoi il regarde autour en mode, hey, mon gars, je vais faire un câlin à Tarakli, y'a rien. Il a regardé lui en premier. Mais on a pas pensé à eux deux, hein. Voilà, il a regardé l'en premier. On a jamais dit Fabrice et Kylie, hein. J'ai un truc à dire. Je sais pas c'est qui ta meuf, hein, mais je t'ai vu avec une autre fille. Hein? Ouais. Allez! Il y avait un événement comme ça, tu te souviens ou pas? Sur Paris. Même t'as dû avoir un t-shirt gratuit et tout. Ah bon? C'était quand? Il y a 2 semaines. Ah, ça va être mon jumeau, j'ai un jumeau. Ah si, je suis en ouf, si, il y a 2 semaines, non, c'était moi. Au nom de Dieu, regarde John Doe. Bradley, écoute, quand t'as posé la question, elle t'a voulu te regarder pour savoir. Et ensuite, quand t'as dit les informations, elle cherchait dans sa tête. Mais la fille avec qui tu l'as vue, c'était personne qui était ici. Non. Elle était métisse. Ah, désolé si je brise ton couple, mais moi là, je veux trouver ton couple. Mais non, c'est rien. Donc en gros, tu l'as vu avec une autre femme à l'événement? Ouais, je l'ai vu avec une autre femme. En mode comment? Bah, je sais pas si je peux tout dire. Bah, on est en couple quand même. Enfin, genre, on est tous en couple, c'est chaud si tu dis un truc. Oui, c'était lui, je suis sûr, à 1000%. Et tu sais pourquoi je t'ai pas oublié? Parce que t'avais un haut, il était trop stylé et j'ai oublié de te demander. Tu es dans la merde. Non, y'a rien, on va acheter une pote à moi. Laura, s'il te plaît, viens voir. T'es déçu ou pas? Je suis pas jalouse. Ça dépend du contexte, j'attends de savoir. Donc toi, ça te dérange pas si ton mec il va avec un autre? Ça me dérange, mais ça dépend
Mais qui t'étais, sait t'étais au courant? Tu savais qu'il était un événement? Regarde comme il la regarde, regarde, il attend sa réponse. C'est sa meuf. Ouais. C'est ça, non? Ouais, viens les blocs, truc, viens les blocs. C'est un truc. C'est bon, un petit truc. On veut plus savoir. T'es dans les paires et tout, dans les chaussures? Non. Mais ouais, t'as du style et tout, tu sors d'où? Attends, ça c'est Travis Scott, ça? Oui. T'es pas dans les paires et t'as une paire Travis Scott? C'est un cadeau. De ton gars parce qu'il est dans les paires. C'est qui te les a offert, les chaussures? C'est mon mari. Quand? Il y a combien de temps? À mon anniversaire, c'est le 22 juin. Beau cadeau, du coup. Beau cadeau. T'as apprécié? Bisous, oui. Poutou, tout. La totale. T'as fait quoi pour ton anniversaire, du coup, avec ton mec? On a loué un petit... comme un hôtel, genre avec jacuzzi, tout ça. Ça s'est bien passé. Ouais, c'était cool. Ça, c'est Nash, il est dans les trucs comme ça, il est romantique un peu, Nash, non? Nash, il a pris l'hôtel. Mais si son mec lui a offert ça, c'est qu'il est dans les paires de fous. Donc, c'est un des deux. Regarde, eux deux, ils ont des paires de Sakai, en plus, elle coûte cher, je connais. Vous allez me dire que là, que Jeko et Jeneko, ils sont pas. Ils sont en mode, ils dégagent pas un truc ensemble. Si, moi, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Ouais, c'est d'hommes qui vont trop bien. Vous pouvez vous tenir la main, s'il vous plaît? Serrez fort. Attends, juste un truc. Ouais, attendez. Étrangler, non, attends, 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 attends. Donnez-vous là, tu vois, j'ai l'impression qu'elle fait exprès d'être pas bien. Donnez-vous la main. Ça se voit qu'elle fait exprès. Des alors que tout à l'heure, elle était vraiment pas bien. Juste, genre, vite fait des parfaits, s'il te plaît, va. Voilà, vous êtes coordonnées, ma gueule. Donc, tu les avais marché, tu dis ça. Comment tu peux voir? Like to me. Bah, vas-y, ils sont ensemble, les deux. Alors, venez, on bloque déjà oui, ces deux-là. Les quatre, ils sont bloqués. Mais je te promets que comme ça, Nash et Kylie, ils vont trop bien ensemble. Si, c'est vrai. Donc, on bloque les quatre, là. Eux, on les bloque. Coco, Jojo. Toi, t'es en couple avec Kylie. Ouais. C'est possible. Bah oui, bah c'est ça que j'ai dit depuis le début. Quand tu t'es préparé ce matin, c'était normal? C'était comment? Ah, moi, je suis toujours tranquille. Moi. Du coup, Marjorie, t'as un peu énervé. Ah, t'es en retard, dépêche-toi. Mais hein? Qui te dit je suis avec elle? Est-ce que ta meuf, elle est chiante dans la vie de tous les jours? Elle est chiante c'est ou pas? C'est une question chaude. Elle cuisine bien? Ouais, équilibrée. Elle pourrait mieux bien. Faire? C'est quoi pour toi équilibré? Féculent. Est-ce que ta meuf, elle est sanguine? Ouais, ça dépend. Moi, t'as vu, Marjorie, ça se voit, elle a du caractère. Ouais, Marjorie, ça se voit, elle bout dans l'air. En mode, écoute, c'est comme ça, c'est pas autrement. Marjorie, ça se voit, elle a un enfant et tout, elle sait cuisiner. En oui. Plus, il a dit, elle fait des trucs complets. Quand t'as des enfants, t'essaies d'équilibrer les repas. Nolwenn, tu sors souvent manger au resto avec ton gars? Ouais. Wesh, pourquoi il hoche la tête? J'ai hoché la tête, j'avais mal au cou. Non, ouais, t'étais comme ça. T'es non, c'est pas. Donc venez, on bloque. Donc, Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que c'est ton problème encore? Ah, pour moi, faut inverser là. C'est pas bon ici. Marjorie, elle est avec Nash. Mais Nash, tout à l'heure, quand on lui a dit est-ce que tu serais capable d'être beau-père, il a dit. Il arrive non, trop sereinement, genre en mode. Ça... Il pourrait pas, genre. Coco, Toto, il s'en fout. De toute façon, Marjorie, elle a pas d'enfant. Hein. Ah, je sais pas, je la vois avec Nash. Regarde, elle Nash, il a l'air posé. Elle, elle est fast, lui, il est trop mou. Ah, je suis mou, j'ai du caractère. C'est énervé. Moi, je bloque. Moi, je bloque comme ça. Non, on bloque comme ça. Donc là, on a mis Fabrice et Laura, Kylian Rondreau, Nash Nolwenn et Marjorie Johan. C'est parti, là, c'est bon. On a matché les couples qu'on pensait qui étaient bons. J'espère qu'on a tous bien réfléchi. Bon, Bradley n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Donc c'est le moment du reveal. Combien de couples sont bons et combien ne sont pas bons? Quoi? Donc le couple bon, est-ce qu'il peut s'avancer s'il vous plaît? Eh ben non. C'est qui? Ah non, c'est... Des bouteilles. Ah, vous êtes ensemble? Ouais. Le bisou. Le bisou. Le bisou. Le bisou. Le bisou. Le bisou. Donc là, le cadeau qu'il t'a fait pour les paires de chaussures, donc... Et toi, tu travailles dans la sneakers? J'aime trop. Et donc, du coup, tu fais quoi dans la vie, vraiment? Infirmier. C'est vrai, t'es infirmier? Oh, comme ma mère, trop bien. Ok, toi, tu fais quoi dans la vie? Chômage. Chômage? Mais elle chante aussi. Un petit couplet? Chante, un couplet, c'est ton moment. J'irai, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. Comme il est amoureux. En toutes circonstances, je serai comblée. Ah, car pleurer. Tu es, j'irai, je n'ai que toi. Oh, mais T'es fier, hein. Mais comment t'as fait pour jouer le jeu, toi? Pourquoi t'es jalouse alors que c'est pas ton gars déjà? En fait, j'ai vu qu'il me regardait et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais jouer, je vais faire la même chose. Tu veux faire le mentaliste? Je suis tombé dans ton propre piège. En fait, je le voyais, il était comme ça et moi, j'ai fait genre. Voilà. Ah, t'es sérieux et tout alors que. À un moment, il avait tout trouvé. Vous avez tout trouvé, vous deux. On vous remercie, merci beaucoup. Applaudissements. Merci beaucoup. Bravo. C'est vrai, vous êtes ensemble? Ouais. C'est-à-dire, il t'a trompé. Non, c'est ma cousine. Oui, voilà, mais Bradley. Du coup, on change, du coup. Johan, t'es avec Laura, c'est ça? Qui habite où? Vous faites quoi dans la vie?
Moi, je suis en école de mode. En plus, c'était pas marié les deux. Mais j'ai vraiment perdu ma bague. Mais c'était pas une bague de fiançailles. Mais c'est pas une bague de fiançailles. Et du coup, tu t'appelles ? Reda. Ça s'appelle Reda. Il a menti ! Tu fais quoi dans la vie ? Je suis étudiant et je fais des vidéos YouTube. Notre chaîne YouTube, c'est Norevlog. Du coup, N-O-R-E-V-L-O-G. Et on fait des vlogs, des mukbangs. On donne beaucoup de force à Fabrice. Je t'ai appelé vraiment, je m'en fous, je t'appelle Fabrice. 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 Et Nolwenn. Merci, Nolwenn. Merci. Bravo ! Merci. Je suis pas nonchalant. Ah, je suis loin d'être nonchalant. J'ai joué un rôle. J'ai 26 ans, du coup, je suis barbeur coiffeur. Ouais. Et là, je suis en train de monter ma société, label de production indépendant. Ah, yeah. Bravo. Ouais, mais je m'appelle Laura, j'ai 26 ans. Du coup, on est mariés et on est parents d'un petit garçon. Et félicitations. Donc, elle était père, en fait. Attends, on a eu un... demandé la taille des couches. Ouais. Ah, j'ai failli le dire. Ouais. Et en fait, il y a les nouveau-nés ou il y a les prématurés. Il y a les prématurés aussi. Il le sait parce que notre bébé, il a 2 mois et demi. Félicitations, c'est trop bien. Du coup, moi, je suis sur les réseaux aussi et je suis coach en bien-être et nutrition. Donc, ouais, elle cuisine bien, équilibrée. Ah, équilibrée. Ah, ah. Applaudissements. Il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. Pourtant, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. 12 ans, oula, 12 ans. Ça tire des balles. Non, non, c'est moi, je suis pas mariage. S'il y a un enfant, peut-être plus tard, on pensera différemment. À genoux. À genoux. Tu as quel âge ? 34 ans, je travaille dans la logistique de transport. Moi, je m'appelle vraiment Nash, du coup, et j'ai 30 ans. Je viens de les avoir. Et à la base, je suis maître chien. Et à côté, je suis dans le streaming sur jeux vidéo. T'es sur Twitch ? Exactement. Mon pseudo, c'est NGMoss sur les réseaux de gaming. D'accord, ok. Bah, merci bravo, beaucoup, vous avez été trop fort. Hein. L'enfant, moi, j'y croyais tout comme faire. Bon, écoutez, les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On a été trop contents de la faire. On tient à vous dire que tous les couples remportent une journée au parc Astérix. Bravo, j'espère qu'ils vont bien s'amuser. Dites-nous, n'hésitez pas, les prochaines enquêtes que vous voulez qu'on fasse dans ces genres de vidéos, parce que bon, on est des bons enquêteurs quand même. Oui, oui. Bof, non, pas très bon, pas non, mais, très bon, mais on va s'améliorer. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de soutenir aussi les couples qui sont arrivés. Bradley, Jason, merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo. Et puis, bisous à tout le monde. La cloche, la cloche, la cloche.